Bientôt 10h du soir et on accueille un nouveau petit pensionnaire attendu depuis longtemps, notre petit trésor qui arrive par transporteur. Bon, 4h30 du matin, après avoir dormi quelques heures, comme quasiment tous les jours, après en étant bien fatigué et frigorifié, je vais remettre du foin dans les râteliers et nettoyer l'entrée de la principale chèvrerie qui est censée être l'écurie. Aux demoiselles, et je vais faire ça là sur les différents groupes. Je vais du coup faire un tranquillou pour pas réveiller trop les filles, même si elles m'ont entendu. Première porte de dégager. Le problème sur cette ferme, c'est que les portes s'ouvrent vers l'intérieur, donc toute la paille qui vient contre, il faut la dégager au quotidien, et en espérant qu'il n'y ait pas d'animaux en difficulté derrière la porte ou des nouveau-nés qui posent souci quand on veut rentrer. Petit trésor. Oui, premier pas de petit trésor en dehors de la maison. Tu viens avec moi? Allez, viens mon bébé. Il était gentil ce petit bébé. Mais qu'il est gentil ce petit bébé. Oh, que tu es gentil. Oui, tu es pas rassuré, mais ça va passer, tu vas voir. Repardi. Ça fait qu'une journée que tu es là. Allez, viens. Tu viens? C'est pas le plus confortable, les cailloux, mais on est là. Hein, vous pouvez voir, dit. Mais par un dit. N'en profite pas. Ça y est, petit trésor est venu. Où est-ce que petit trésor qu'il est venu? Tu veux sentir? Regardez. Eh oui, mais profite-en. Oh, oui, on est là pour ça. Pour que tu découvres. Hop là. Oui, on va falloir te trouver un petit surnom. Petit trésor. Avec une petite oreille qui, pour l'instant, elle va dans le sens inverse de l'autre. Oui. Qu'est-ce que c'est ce petit chien qui n'est pas décidé à écouter dans un sens ou dans un autre? Petit bébé là, petit bébé, que tu es un beau bébé d'amour, que tu es un beau bébé. Petit bébé, c'est très joli. On se détend, on était stressé, on savait pas où on allait, on était perdu. Mais oui. Oui, tu peux jouer. Tu veux jouer. Petit trésor découvre le braiement des ânes. Et oui, hein, ça crie fort, hein. Une brouettée d'herbe de fête à la faucille parce qu'il y a beaucoup de vent, il y a surtout des fortes rafales de temps en temps, et je pense que si j'avais fait avec la débroussailleuse à moteur, l'herbe fauchée se serait mélangée avec l'herbe sur pied avec les rafales de vent et ça aurait été irrécupérable. Cette herbe va me permettre de faire une transition alimentaire qui est indispensable aux chèvres lorsqu'elles ont passé
plusieurs semaines avec une alimentation déshydratée, avec du foin en l'occurrence, et une alimentation qui est à base de verdure. Donc ça demande une flore digestive différente. Il faut donc laisser le temps de se développer, parce qu'il faut compter une quinzaine de jours pour cela. Donc pendant ces 15 jours, il faut augmenter progressivement la dose accessible de verdure, soit en les laissant sortir sur une petite surface qu'on a agrandie au fur et à mesure, ou bien en les laissant sortir progressivement en termes de timing, ce que nous faisons habituellement. On les sort un quart d'heure le premier jour, une demi-heure le lendemain, etc. Mais pour notre troupeau, cette transition alimentaire est déjà faite. Donc mélanger les chèvres nouvelles dans le troupeau, ça va être compliqué si on ne les habitue pas déjà au niveau alimentaire, qu'elles puissent être à égalité. Sachant qu'il y a bien d'autres choses à gérer en même temps, puisque notre spécificité, c'est d'avoir les animaux en liberté. On les surveille comme à l'ancien temps, on fait le berger, mais si les animaux ont peur, s'échappent, c'est pas simple du tout de pouvoir gérer des animaux qu'on ne connaît pas, qui vont être dans une situation un peu de panique, qui vont peut-être partir ou avoir peur des chiens, ou avoir peur d'un avion, avoir peur de personnes qui se promènent avec leurs chiens qu'ils ne gèrent pas bien, ou des choses comme ça. Donc ce qui est alimentaire, ça sera fait en amont, on n'aura qu'à gérer les animaux au moment voulu. Ça sera une chose de faite, que ce soit pour les nouvelles venues, pour les boucs. Je vais faire ça un petit peu tous les jours, là, sur les 15 prochains jours. Oh, toi, tu vas pas. Qu'est-ce que c'est ça? Ce petit chien comme ça, peur. Oui, laisse-les tranquilles. Olmeda. Allez. Et on y va. Allez. On se cache pas. Allez, ricotta. C'est bien, Almeda. Je passe derrière. À chercher. Voilà. Alors là, on va dans un pré qui est difficile à accéder parce que vraiment, il est un peu à part et entouré par d'autres propriétés. Et c'est pas facile d'aller avec les chèvres sans qu'elles essayent d'aller ailleurs, chez quelqu'un d'autre. Un peu le bordel. Qu'est-ce que vous faites là-haut? Et comme cette étagère, cette faille, c'est petite, on n'y va que quelques fois dans l'année. Donc c'est pas un chemin qu'elle emprunte facilement. Allez la loup! Allez, hop! Hop! Allez, va chercher! C'est bien le méda. C'est bien. Va chercher. Je tiens une pitounette. C'est la première fois qu'elle sort et elle va n'importe où comme parfois certains chevreaux font. C'est-à-dire qu'ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils ne cherchent pas à faire demi-tour, ils pensent qu'en avançant indéfiniment, ils vont rentrer. Allez, passe derrière. Viens, fais la trottiner. Allez. Allez. On va perdre tout le monde. Alors cette pitchounette, on va la... qui est marbré aux yeux bleus. On va la... Oh oui, ma puce.
Je vais la ramener à l'écurie. Enfin, à l'écurie. Les chèvres sont à l'écurie le temps que je termine le fumier. J'adore les fleurs. Les fleurs de genêt, le jaune d'or. Qu'est-ce que c'est beau! Et oui, il y a peut-être sa maman, là je la vois pas. Petite île, moi qui dis un futur chien de troupeau, ça dit. Eh ben Malalou, il faut mettre de l'énergie pour que tu arrives. Attends, je suis. Allez. Allez, fais le tour là-bas, ma puce. Allez, va chercher. C'est bien. Va chercher. Allez, descends. Va chercher. Et de une. Allez, va aller chercher. Passe derrière. Allez, va chercher. Allez, on y va. C'est bien, mon Olmeda. Oh, mon petit tilt. J'ai mon tilt, mais c'est gentil. Non, c'est une chevrette, elle n'est pas pour que toi. C'est bien, ma gligue, il n'y en a plus. Allez. Oui, ma puce, n'aie pas peur. On s'éloigne du troupeau, on va le rejoindre. Mais ma puce, on va le rejoindre, n'aie pas peur. Vas-y Eric, sinon elle va monter. Débroussaillage de la clôture effectué, j'ai quelques branches d'arbustes qui font bronze, qu'il faut aller retirer sur les câbles, mais sinon voilà, ça a été fait. Tac. On voit rien. Voilà, donc il me reste à ramasser l'herbe pour la donner aux animaux à l'intérieur pour continuer leur transition alimentaire, une pierre de coups, et après il faut retendre les mettre les piquets correctement, les isolateurs correctement également. Il y en a qui ont bougé, qui ont lâché, donc il faut que je m'occupe de ça, et puis le câblage. Voilà, quelques piquants pour agrémenter le repas des chèvres, et là j'ai terminé pour aujourd'hui. J'ai le bras qui tremble parce que j'ai le harnais, je ne suis pas arrivée à le faire tenir, il y a un souci pour clipser. Donc c'est le bras qui a tenu et je suis en train de trembler. Je vais prendre une petite pause de 5 minutes. Là je vais vous montrer, j'adore. Il n'y a pas la luminosité pour, mais j'ai les iris à l'entrée du jardin, ils sont trop beaux. Là j'ai commencé à enlever le filet, là orange. Mais je suis coincée là-haut dans le coin, j'ai pas eu le temps de continuer. Et en voici un, j'adore. Ça, je suis moins fan. C'est moins mon truc, les bicolores comme ça. Chacun ses goûts, mais c'est moins ce que je préfère, les unis. Et là, ce sont mes préférés. Je crois que c'est mer du Sud ou quelque chose comme ça. Bon, en gros, ça commence à faner. Lui, il n'a pas tenu longtemps. Il s'est ouvert avant-hier, déjà, ça fane. Alors que lui, voilà.
ça aurait mérité d'avoir été entretenu ici pour ces floraisons là, ne serait-ce que ça, c'est trop beau. Voilà, petite balade, de faire connaissance avec l'environnement, les petits trésors. Deuxième jour, il est arrivé. Premier jour, on n'a pas pu faire grand chose, on a fait le tour des bâtiments. Il y a une petite frayeur parce qu'il y avait des chèvres qui avaient réussi à passer la grille, donc elles étaient dehors. Mais il s'est reculé de 20 mètres, il a attendu que je les enferme, il est revenu pour l'instant. Il reste prudent. Et là, ça y est, on est sur le chemin, la route au-dessus de la ferme. Tout vient en fleurs. Là, c'est le meilleur moment de l'année dont on profitera, Romain. Toujours en train de bosser. Ah, comme c'est beau. Et en plus, ça a une petite odeur de miel. Avec les abeilles qui bourdonnent, qui butinent. Et pas que d'ailleurs. Mon petit trésor. Oui. Mon petit trésor. Oh oui, c'est aussi, tu es là, bébé. Allez, on y va. Les chèvres ont déjà bien ratiboisé l'herbe. Elle était à la hauteur de ses buissons. Enfin, de ses buissons, de ses arbustes. Et là, c'est une de mes vues préférées de la ferme. Ah, j'adore. Surtout quand il y a les animaux qui sont devant, là, soit les chèvres qui pâturent ou les chiens qui jouent. Ah, j'adore ça. Alors, ça va. Oui, tout le monde. Oui, mon petit trésor. Il t'a fini. Allez, venez. Là, c'est une de mes pâtures préférées. J'aime beaucoup cet endroit. Soit un peu verdoyant en été malgré tout. Oh là là, ils vont être propres ces petits chiots. Ça, c'est la mare au sanglier. Voilà. Ah, les chiots ont fait peur aux cannes qui sont allés à l'autre bout de la ferme et qui sont un peu perdus. Et les filles, et je veux pas que vous descendiez au village. Allez, on avance. Allez. Thank you.
Ouais, donc après 15 jours d'arrêt, je ne l'ai quasiment pas utilisé. J'avais commencé d'autres travaux en attendant. J'ai juste utilisé pour le minimum syndical. Je le réutilise 1 heure et demie là maintenant. Et qu'est-ce qui se passe? Fuite d'huile. Non mais j'hallucine, j'hallucine. Il est tout le temps en panne, tout le temps en panne. Et puis tout le temps les week-ends. Ah, j'en peux plus. J'en peux plus. Il revient du garagiste et il retombe en panne. Hein? Qu'est-ce que c'est un beau bébé d'amour ça? Oui, oh, c'est un beau bébé. C'est un beau bébé ça. Regardez-moi ce petit bébé d'amour. Regardez-moi ce petit bébé d'amour. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Petit petit bébé. En plus, elles sont bonnes.